Can you put the light inside? The light inside. Dans une limousine. Je suis dans une limousine. Hein. Non, c'est un peu fort. Non, mais j'ai pas chaud. C'est comment le pays là, c'est nice. Ouais, bravo, Atlanta, ouais. C'est Marilyn qui a commencé à faire limousine. Ils ont fait l'intro grave. Donc, tout le monde est à la hauteur. Ouais, limousine. Oui, allô. Allô. Oui, on s'en va, on sommes en route. À mon soleil, oh. Ok. Mon soleil, oh. Qui? Non, elle n'est pas avec nous ici. Mon soleil, oh. Nous sommes deux seulement. Ouais, je suis dans une limousine. Mais c'est pour ça qu'il faut... Il faut apprendre à temps son temps, il faut pas. Après moi, je sais pas, je plus que les choses. On lui a dit de lui déposer, c'est pas quelque part. Ouais. Nous avons commencé, j'ai commencé dans les villages. Hein. Les villages, comme je disais, j'allais. Dans les bandias, les voitures bizarres, souvent je marchais 10 km, 15 km, 20 km avec les éléments, les gens du ministère, les tam-tam sur la tête. Et après, on prenait les cas. Où il y a un lion, reste où il y a un lion. Ouais, maman Sarah, les gens de Atlanta, là, ils ont frappé fort. Hein? Limousine. Et tu vous en as. Et puis bon, le Seigneur a permis qu'on commence des tournées. Donc c'est du village. J'ai quitté des villages, d'un village pour faire des tournées européennes, tournées américaines. Donc c'est pour cela que c'est important de croire sa destinée et de croire son appel. C'est tout. Voilà. Voilà, limousine. C'est bon.
Ouais, les Américains sont bénis. C'est pas les bons yeux, j'ai fait quoi la limousine? C'est pas annoncer l'évangile, tu es bon. Les Américains frappent plus fort. Hein. Donc c'est ce soir à partir de 20h. Nous aurons un grand programme par la grâce de Dieu jusqu'à 1h du matin. Je suis bel et bien arrivé, on a fait 2 heures de vol. 2 heures de vol. Voilà, on a fait 2 heures de vol de bâtiment jusqu'à ici à Atlanta. Enfin, c'est l'état de Maryland. Mais de bon, on a pris ça à Baltimore pour être ici à Atlanta. Voilà, donc quand nous sommes là justement pour 3 jours. Nous retournons dimanche. Voilà, surprise en détail. Encore une limousine. On m'accueille encore avec une limousine, gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, point bas. Voilà, je ne fais que rendre gloire au Seigneur. Justement pour aider la diaspora, prier pour eux, pour que le Seigneur puisse la délivrer. Donc, grand chapeau aux Américains qui ont le sens du respect et de la considération pour les hommes de Dieu. Voilà. Ça, tout ça, c'est important de savoir considérer, de respecter un homme de Dieu. Je comprends pourquoi le pays l'est béni. Voilà. Quand vous ne respectez pas un homme de Dieu et vous jouez à lui, vous êtes maudit. Voilà. Quand vous respectez, si on vous accueille dans une maison, celui qui vous reçoit, me reçoit. Voilà, celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est ce que Jésus a dit. Donc, je dis un grand chapeau. Encore une surprise à la réforme, une limousine blanche. La dernière fois, c'était une limousine noire. C'est pas une limousine blanche. Pas parce que le prophète est frimé. J'ai pas demandé tout ça. Hein. C'est des surprises. Ben, je bénis que le nom du Seigneur. Voilà. On est parti de village. Je suis à l'intérieur. À 2 heures d'Abidjan, je suis là où Dieu m'a affecté, à mon poste. Voilà. Pour faire le tour du monde. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire des gens.
qu'ils n'aient pas les attaques. Mais j'ai une histoire. J'ai une histoire. La Côte d'Ivoire profonde. La Côte d'Ivoire, la galère pour annoncer l'évangile. Donc c'est une étape. Il y a l'étape de Jérusalem, il y a l'étape de la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont en train de parcourir le monde entier. Parce que j'ai commencé quelque part. J'ai foi en ça. En mon ministère, je croyais à mon appel. J'étais convaincu que Jésus-Christ était dans ma vie. Mayam délivré lui-même, il s'est révélé à moi pour m'appeler au ministère des prophètes et pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. J'ai cru à l'appel. J'ai cru à mon appel. J'ai tout laissé. Voilà, je franchement tout laissé, l'Europe, j'ai tout laissé pour me consacrer à mon ministère. Voilà. Voici le résultat. Voilà. Donc il y a une histoire. Ça ne vient pas comme ça. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Voilà, c'est ce que tu sèmes. Le prophète crasse une histoire, il n'est pas sorti comme ça. C'est ça qui ne sait pas mon histoire, qui m'attaque, qui dit ce qu'il a envie de dire. Ma preuve de jalousie, comme sont les agents de Satan. Et moi, j'en vends quoi. J'ai une histoire, je suis parti de quelque part. Voilà, j'ai eu des moments de difficulté dans ma vie. Où j'ai évangélisé dans les villages, 2 mois, 3 mois dans les villages. Je me lavais haut de marigot. Aujourd'hui, je suis dans les hôtels de 5 étoiles, en train d'évangéliser. Dans les grands états, c'est toute la grâce de Dieu. Et quand je finis ça, je retourne. Hein. Je ne suis pas Abidjan, je suis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il faut savoir où. Est-ce qu'il faut être convaincu de ton appel 1 et puis il faut être là où Dieu veut que tu sois. Voilà, parce que ça, c'est tout ça, c'est important. Voilà, je n'ai jamais envié ceux d'Abidjan. Je respecte leur ministère. Mais j'étais toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, forcément à Divo. Voilà, donc j'ai toujours cru à ça. J'évangélisais dans les villages. Et puis le Seigneur a permis que je commence une tournée européenne. Je suis en train d'attaquer une tournée américaine. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça par la grâce de Dieu. Donc j'ai béni le nom du Seigneur. Les Américains ont frappé très fort. Ils ont frappé très fort. Ils ont vraiment frappé très fort. Depuis la dernière fois, quand j'ai descendu d'un avionnette, c'est limousine. Ah, je descends net d'avion, ils sont en train de traverser le tunnel. Hein. C'est pour ça qu'ils voient que c'est noir. Voilà, sort du tunnel, ils sont en train de voilà, sortir du tunnel maintenant. Un monsieur de Divo, aux États-Unis dans limousine. Si ce n'est pas l'évangile, il fait comment? Ah, c'est pas l'évangile. Il faut aimer son travail, il faut croire son ministère, il faut encaisser les injures, il faut encaisser les moqueries, il faut encaisser les injures. Voilà, parce que les injures viennent nous forger et ça permet à Dieu de confondre nos ennemis. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là toujours pour vilipender, salir l'image. Or, Dieu prend ça pour le confondre. Voilà, d'autres disent que le prophète ne va jamais voyager, Or, Dieu est en train de préparer limousine seulement du prophète. Je descends dans les états, c'est les limousines. Vous savez, quand il y a une attaque de la part de l'ennemi contre votre ministère, Dieu qui vous a appelé, qui vous a établi, n'est-ce pas, il vous positionne pour fermer la bouche de ceux qui t'ont vilipendé. Ferme la bouche des menteurs. Allons-y seulement, c'est comme ça. Je n'ai pas d'ennemi, mon ennemi c'est le diable. Mais quand tu as affaire à un coin, tu auras affaire au ciel. J'aime tout le monde. N'attaque pas un coin. Voilà, donc tout va bien, on aura l'occasion de partager l'évangile ce soir, partager l'évangile de Jésus-Christ, vous annoncer l'évangile de Jésus. On ne peut pas tuer un oin. C'est pour ça qu'il dit un lion reste un lion. Il va dans jamais faire miam, 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 il va jamais devenir chat. Le lion, il reste lion. Jamais. Je suis venu au nom de l'Éternel. Leur communiquer une onction de grandeur. J'ai une seule parole, dis à Satan de lâcher toutes ces personnes des otages. Nous sommes dans l'état d'Atlanta. Ce n'est pas l'évangile, il faut quoi ici? Il n'est pas venu ici. Dieu, je ne l'ai jamais vu ici. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas Dieu limousine. Donc merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Pour ceux qui me portent dans leur cœur, qui prient pour moi.
Et merci beaucoup pour ceux qui m'attaquent, parce que vous permettez à Dieu de me bénir. Depuis les gens m'attaquent, ils sont en train de traverser le tunnel. Hein. Depuis les gens commencent à m'attaquer, Dieu a commencé à m'élever. Depuis on commençait à m'attaquer, Dieu a commencé à m'élever. Voilà. Moi, je dérange le royaume de Satan. Je continuerai toujours de déranger le royaume de Satan. Satan, c'est mon ennemi. Le diable, il est mon ennemi. Je vais toujours l'attaquer. Et sans, et ça, il le sait très bien. Les États-Unis, c'est joli, hein. Tu quittes dans la poussière à Divo, puis tu viens ici. Tu bénis le nom du Seigneur. C'est très beau. Mais Maryland est jolie ici. Oui. Ouais, franchement. Ici, il y a des buildings. Non. 14 ans. Il est 14 ans ici. Hein. Je vous l'ai peut-être 20 heures. 17, 19 heures. 19 heures là-bas. 14 bénis le Seigneur ce soir, ce sera un moment très puissant, un moment de délivrance très puissant. Voilà. Le Seigneur nous a puissamment utilisés dans les villages pour détruire l'esprit du dragon, apporter un réveil spirituel dans la vie des personnes. Le ministère qui a démystifié la sorcellerie et qui continue de combattre ses œuvres parce que ce sont les œuvres du diable. Voilà. Le diable n'est pas fait pour qu'on le cajole. Il ne faut pas cajoler le diable, ce n'est pas nos camarades. Il faut qu'il lâche la vie. Les bien-aimés, que les maladies bizarres sortent de leur vie et que ces personnes rentrent dans la grâce et la bénédiction de Dieu. Atlanta. C'est où les gars de Maryland qui ont commencé. Il a commencé à limousine. Qui est malade pour laisser le prophète le mettre dans tout état. Parle un peu anglais. My God, l'anglais ça me fatigue. Ça rentre tôt, ça reste pas. On dirait un sou parmi les gens. Il parle. Elle me désengoûtait de français là. Je parle anglais, c'est très bien. Ici, ils parlent pas français. Ils sont même pas prêts français. Au voyage ou bien. Je vais le limousine et connaît la destination. C'est où le limousine? Quand tu prends la limousine, tu leur donnes la direction. Tu leur dis où tu dois partir avant qu'on ne te délivre la limousine. Chez Thérèse. Chez elle? Mm-hmm. Est-ce qu'on s'est dit? Pour manger. D'abord à l'hôtel. On est d'abord à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on s'est dit?
On a dit